Mais c'est pas mon père. On est le 13 novembre, magnifique soleil de novembre après toutes ces grosses pluies, ces tempêtes, etc. Et là, c'est tout le loisir de regarder tout ce qui pousse, qui est magnifique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau le vivant, merci, tous les choux, tous les trucs. Et du temps au jardin, des heures et des heures à passer juste à être là, à jardiner, à cueillir les derniers fruits, à croquer, à plier. Ah là, qu'est-ce qui se tient bon. Même à cette époque, il y a du basilic. C'est le basilic qu'on associe toujours à l'été. Ben là, j'ai plein de basilic thaï, du violet, plein de différents types de basilic. Les basilic que vous avez vu. Je vous en ai parlé, je plantais une ligne ici. Et là, on a déjà récolté, on s'est fait des sirops, on s'est fait des glaces, on s'est fait des salades, on s'est fait des infusions, on s'est fait des pestos, on s'est fait plein de choses. Et là, ça y est, c'est la fin, ça va être la dernière récolte. Donc on va venir pour une dernière récolte et il va avec le gel être mangé. Et puis d'autres choses viendront prendre leur place. Chacun son cycle, chacun son chemin, chacun son destin. Tu finiras bien là. Ciao! Salut les amis, c'est ma mère et Flo de la Vega. Salut. Alors, c'est parti, il va nous faire une petite visite du jardin parce qu'on vient de faire un stage de 3 jours chez lui pour lancer son jardin. Qu'est-ce qui s'est passé, man? Vas-y. Waouh, c'est passé plein de choses.